entité, mon patrimoine étrique. Je relis attentivement les lettres qu'inconsciemment je me suis écrites. Je cherche avec conviction la ligne directrice qui m'éclairera sur la ligne au fond des actes. Je revise de façon maladive les textes trismégistes pour arriver à isoler le substrat sur lequel se greffent les excroissances qui tissent la surface du tronisme des apparences. En suivant les signes de piste du grand jeu, ma voix se précise. Délimitée par des balises claires, me mène à retrouver foi dans ce que je veux. Troquer les aspérités du sous-bois pour le terrain plat de la clairière, j'aimerais être mieux. Mais quand j'accède à un autre milieu, les cicatrices sous mes mains s'amincissent et cèdent. Les stigmates succèdent aux allergies dès que je m'acclimate à l'inconfort du crucifix. Quand je prêche sur le parfum du temple et que je m'identifie aux idées que j'invente, plus rien ne m'isole de mes paroles. Un type de psychose qui s'implante dans la nature de mon espèce et infecte la psychologie du corps que par paresse. J'ai laissé choir comme mort sur le sol, dissocié du macabre de mon histoire terrestre. J'inspecte les membres sclérosés que je dépaisse et en saupoudrant les restes de talc, je conserve l'empreinte de mes époques. Je calque sans crainte les rôles que j'adopte. Car tout est consigné dans mes archives, des feuilles mobiles en stock de vivre. Mais je n'ai plus la force de retourner à mes écrits. Et les esquisses précoces s'accumulent dans l'oubli, comme autant d'ancêtres anthropoïdes qui ont lutté dans le vide pour leur survie. À ce stade-ci, j'ai les deux mains dans le compost et je m'efforce à ressusciter force de mes récits. Celui qui a fait monter le diable et le magicien dans le même char, avec comme but de réaliser l'art du millième matin. Mais il y a encore des fragments de miroir sur le plancher de la salle de bain. Et quand je marche pieds nus sur la céramique blanche et noire, la couleur du sang me situe à un niveau plus humain. Je me revois dans les décombres du sous-sol de banlieue qui s'est écroulé avec la perte des symboles qui nous reliaient aux dieux. Dans la pénombre, on peut encore entendre des airs de rock progressif, rythmés par la quinte de tous deux groupes d'adolescents dépressifs qui s'étouffent en négociant entre les tentatives et les suicides, élargissant